On avait une dizaine de sacs de chaussures. Et de ces chaussures, on travaillait pour une firme allemande, mais nous autres, on ne recevait rien. C'est les Allemands qui étaient payés pour nous, bien sûr. Il fallait de ces chaussures, on avait un petit couteau, enlever le cuir, enlever le caoutchouc, mettre dans des sacs différents. Et dehors, quand vous allez un jour visiter Auschwitz, il y avait des montagnes de chaussures. Alors de ces montagnes de chaussures, dans des sacs, une dizaine de sacs, nous les remplissions. Et c'était les moins belles, parce que les belles, tout ce qui était beau, l'or, l'argent, les diamants, tout partait naturellement. Des wagons entiers, tous les vêtements étaient triés, tout partait pour l'Allemagne. Mais tout ce qui était moins beau, déjà usé, abîmé, c'était pour cette firme, pour récupérer le caoutchouc, le cuir, etc. Mmh. Et quand on trouvait un objet de valeur, il fallait lui donner la résistance. Mmh. C'était dangereux, mais il fallait... Il y en a qui le trouvaient, qui le gardaient pour elles. Mais enfin, quand on faisait comme une partie de la résistance à Auschwitz même, tout ce qu'on trouvait, soit dans les chaussures, soit un commando qui s'appelait le Canada, où il y avait les vêtements. Ouais. Et beaucoup de gens cachaient parfois dans des épaulettes, dans un vêtement aussi quelque chose de valeur, et fallait la résistance. Ça servait éventuellement pour les évasions de cet argent.